Guy, qu'est-ce que tu fais là? Je me cache parce que j'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai entendu dire qu'il y a un monstre à Longueuil. Ben voyons donc, c'est n'importe quoi. Ben que le monstre de Longueuil, il peut nous surprendre n'importe quand, n'importe où. Faut être prudent. As-tu des preuves de ça? As-tu des preuves qu'il n'existe pas, ce monstre-là? Non. Ben, pas vraiment. Tu vois, moi, si j'ai tort, c'est pas grave, je suis bien installé. Mais toi, si t'as tort, t'es dans le trou. Le monstre de Longueuil ne trouvera jamais ici. Ben là, j'espère. Hein, Guy? Oui. C'est-tu ton bras, ça? Non. Moi, il est ici, là. Mais, c'est quoi cette affaire poilue-là, hein, que je touche? Marc-André Fortin, bonsoir. Bonsoir, belle présentation. C'est un plaisir. Tu nous reçois ici au parc régional de Longueuil parce que tu habites pas très loin. Oui. Viens-tu souvent ici? Bien, quand même, j'ai découvert ça l'été passé en me promenant en vélo. Ça fait une belle découverte parce que ça me fait penser un peu justement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu as sorti ton premier album éponyme en avril. Oui. Pourquoi t'as attendu un an et demi après ta victoire de Star Academy pour sortir cet album-là? Je voulais prendre mon temps pour faire l'album, pour écouter des chansons, essayer des choses. J'ai besoin de faire ça, de boucler les boucles, pour mieux passer à autre chose quelque part, tu sais, puis prendre le temps de bien faire les choses, c'est important. Le grand gagnant ou la grande gagnante de Star Academy choisi par le public est... Marc-André! Je n'ai jamais trouvé ton duo avec Audrey. Où est-il? Il n'existe pas, tout simplement, parce que... Mais pourquoi? On n'a pas trouvé la chanson. Je l'ai attendue. Je la cherchais aussi, tu sais. Et est arrivé un texte, à un moment donné, où on a comme... L'équipe a comme flashé. Faut que ce soit un duo avec Annie Villeneuve. Et comment est née l'amitié entre toi et Annie? Ben ça vient du temps des débuts, de nos débuts dans Québec Sim. On a une belle complicité, même que des fois, il faut faire attention parce qu'on a les faux rires assez, faciles. En studio? En studio, sur scène. Au lancement, ça a failli. Là. On a chanté, puis on avait, durant les répétitions, on s'était donné des petits signes, des petites jokes, on avait changé une phrase, puis c'était... On dit au lieu de dire « je vis », c'était « je visse », en tout cas. Et nous, quand on a choisi la voiture de sucré-salé, on a un petit peu pensé à toi. Ben c'est très cool, mais c'est drôle parce que je suis vraiment pas un gars de char. Je m'y connais pas, mais pas en tout. Mais en autant que ça a des roues et un volant, puis ça avance. Fais-tu le goût de l'essayer? Mais j'aimerais ça. C'est comme un jour où je vais avoir une Mustang. C'est aujourd'hui qu'on l'essaye. Allez, allez, on y va! Allez, Marc-André, fais-toi plaisir. Eh oui! Écoute, quelle belle voiture. T'as pu, là. Oui, oui, attention. Ouais. Il faut que je m'attache. On va mettre un petit peu de musique. It's not one of those. Ouais. Moi, j'ai un bon album qu'on pourrait mettre. Ah, c'est bon, ça. D'accord. Alors, allons-y. Laquelle tu veux? La 6. La 6. C'est parti pour la 6. Ah, ça, c'est cool, ça. Une tonne de char. T'es prêt? Oui. Je suis si près des jours d'avant. Jamais parti, mais de retour. Tout va si vite maintenant. Je vis une année dans un jour. Mais t'es un méchant malade! Mais pourquoi donc? Mais 400 km/h, t'as pas le droit de faire ça avec une voiture! Ah, écoute, on s'est fait un gros plaisir. Oui, quand même! Mais c'est drôle parce qu'il y avait comme un sentier de jeunes. Il y a comme une école qui a débarqué à un moment donné. Alors, on a un petit peu ralenti la vitesse. On n'a pas eu le choix, mais j'ai quand même fait un très beau tour de Mustang blanc. Donc, t'es content? Oui, comment absolument. T'as trouvé... Qu'elle roulait, la voiture. J'aime bien le son. Ça roule bien, mais c'est le son, je pense, qui m'a frappé. L'espèce de... Il y a un gros bottom, là. On aurait le goût de pogner quelques étiquettes. Tu conduis quoi, toi?
J'ai une Toyota Matrix 2006. Écoute, je m'y connais rien en char, même zéro, là. Je change même pas mes pneus moi-même, là. Mais j'aime les beaux chars. C'est important pour moi que mon auto soit propre, soit belle, soit... J'aime ça le look d'un char. C'est pour ça que la Mustang, un jour, j'aimerais ça en avoir une parce que je trouve ça beau. Il y en a une panoplie de beaux véhicules, mais c'est important pour moi. Et qu'est-ce que t'accroches après ton rétroviseur? Il n'y a absolument rien parce non. que ça me stresse, ça me dérange, moi. Ça, ah oui? J'en ai pas. Ben nous, on non. a le goût de te déranger. On a des petits cadeaux pour toi. Donc. Alors, on te laisse choisir entre un petit sapin qui sent très, très bon. Quelle senteur? Bon, tu veux sentir. On va y aller doucement. Alors, okay. Et tu dois le sentir pendant 5 secondes pour vraiment... 5 secondes. Oui, 5 secondes. Mais tu sais, vraiment... Comme ça. Ça, c'est drôle parce que c'est la senteur à mon père. Il y a toujours ça dans son auto. Ouais. Encore mais ça, fois. Ça me rappelle des souvenirs, c'est ça. C'est l'auto à mon père, ben, ça me rappelle des souvenirs. Il y a toujours eu ça dans l'auto à mon père. Mais un est-ce sapin qu'il jaune. Laissait dans le petit sachet? Oui, il faisait juste un petit crack parce que sinon, ça sent trop fort. Et quand il n'est pas dans le sachet? Ça sent fort. Alors, t'asseoir en tout ça ou okay. Une petite boule disco. Est-ce que tu veux quand même la voir? Ben peut-être, mais... Ouais. Je plonge vers la boule disco. Choix numéro 1. Oh. Ça, c'est choix numéro 1. Choix numéro 1. Ping! Choix numéro 2. Il va rester choix numéro 2. Numéro 2. Attends de voir le numéro 3. Guy, t'es où, Guy? Je suis ici avec mes dés en minou! J'ai pas vraiment le style de char pour aller avec ça. Ça me prendrait... Dans les années, c'est quoi, là, les 70, ça me prendrait ça pour... Chante-moi une chanson des années 70. Non, non, non. Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting. OK, attention. Ah, c'est bon. 1, 2, 3. Oui, je te l'ai tout chanté, là. Puis moi, je chante pas pendant. Mais tu chantes très bien. Ben, fais semblant. OK, moi, je chante, okay. Puis toi, tu fais le lip-sync. OK. On est ici, là. Okay. Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting. Bon, attention, le reste de l'émission, je veux que tu parles en accent du lac Saint-Jean-Yen. À cause. À cause, là. T'es bien parti. Vérité, conséquence. Tu es prêt? Ouais. Je suis pas sûr. Alors, quelle est la chose la plus osée que tu as fait dans ta voiture? La plus osée? Ouais. Que ce soit très... Là... Très je suis osé. Pas sûr que je vais te le dire. Écoute, je sais pas. Madame la juge, c'est pourri! C'est pourri, ça, comme question. Alors, conséquence, mon cher. Tu dois changer un rubber. La voiture de sucré salé en moins de 5 minutes. Un rubber, c'est un... Un rubber? C'est ça que vous dites, à vous autres, des rubber. Un rubber. Vraiment un rubber. Ben, toi, 5 minutes, mon homme. Et c'est ça, parti. Là, c'est parti. Là, là? Oui, c'est une farce. 5 minutes. Non. OK. Eh où? Ben là! Où ça? Tendez-vous! Ben, tendez-vous! C'est parti! OK. Go, 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 écoute. C'est juste un petit peu trop longue, la barre, à part pas de même, tu sais. Go, go, go! Hein, on dirait que je trouve mon accent d'un coup. Go, go! Arrête de me stresser! J'aimerais ça de voir Guy faire ça aussi. Moi, je veux pas me voir faire ça. Mais ça marche, ça va. D'avoir un si beau char pour un si petit Jack grand-main. Il reste 2 minutes, Marc-André. C'est vrai? 2 minutes. Ça me prendrait... C'est pas voyant. Ça me prendrait... Prends ton temps, mais fais ça vite. Ça me prendrait une autre main. Go, 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 go! C'est la dernière qui doit sur le temps, je sais. Ouais! Mais c'est rare que quand tu fais une crevaison, t'es pressé de main. Dépêche-toi! Go! 30 secondes! Une charge! Alors là, faudrait que je fasse ça, là. 9, 8, 7, 6, 5, d'habitude, il y a un petit piton, ça va être seul. 2, mon père est seul chez nous. Allô! 5 minutes, t'as plus le droit. Là, je pense qu'on peut l'applaudir, vraiment, là. Brûlé. Alors, on va se faire un petit tour? Ben, pas avec ce Robert-là, OK. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à vous autres. On est belle activité. Ben oui, t'as aimé ça? Ben oui. T'oublies pas de parler avec ton accent, là. Oh, excuse-moi. Alors, on invite les gens à se procurer ton album éponyme. Ben oui, en magasin depuis le 17 avril.
Et tes dates de spectacle, donc on peut aller sur ton site internet. Oui, marcandréfortin.mu. Et je commence à l'automne, là.